Tout simplement parce qu'on se trouve dans un magnifique lieu historique qui conserve des dizaines de milliers de manuscrits, livres, journaux, photos, gravures et même des dentelles. C'est un sacré travail de conserver un tel patrimoine. Il faut décrire chaque œuvre en détail, les faire dépoussiérer ou restaurer. Nous achetons aussi des documents anciens et des livres à des artistes contemporains. Nous numérisons des documents anciens, en priorité les plus fragiles ou les plus précieux, et ceux qui concernent tout particulièrement le Hainaut. Ils deviennent accessibles à tous grâce aux images en haute définition mises en ligne sur notre site Patrimoine Numérique. Justement, une de nos missions importantes est de faire connaître tout ce riche patrimoine. En plus de la bibliothèque en ligne, nous accueillons aussi des chercheurs venus du monde entier et nous prêtons nos œuvres à des musées dans le cadre d'expositions. Ça montre bien que le patrimoine, c'est vieux et poussiéreux. Bien au contraire. Notre but est de vous faire découvrir, de façon conviviale et ludique, ces témoignages de notre passé commun. Nous organisons des expositions, mais également des visites guidées de la salle des Jésuites et de plus en plus d'ateliers de découverte. Par exemple, nous créons des jeux sur l'histoire du livre, nous faisons découvrir des documents anciens précieux et des ateliers d'initiation aux différentes techniques, gravure, enluminure, fabrication du livre. Avec nous, vous ne verrez plus le patrimoine de la même manière.